Qui j'en ai tout le monde? C'est Mr. Saint Beat. So, je dis à vous pour une nouvelle vidéo pour nous sur la chaîne là, qui n'est pas musique ni qui n'est pas tutoriel. Et normalement, je pense à une nouvelle vidéo ça m'a porté. So, je pense à l'hyper bas en équipe moun qui n'est pas qui bagarre des artistes haïtiens. Et les maps des artistes haïtiens, je ne dis pas ça qui fait musique seulement. Les maps dit me parler comme si. De comme si et moun qui fait et tableau moun qui fait comme si slam et m'a porté tout pour moun qui nan politique là tout quand même et normalement vidéo ça et m'pense que la privé son équipe moun pense la petite équipe moun si tout bouger n'est haïtien nan parce que normalement et gon équipe artiste gon équipe moun nous contente comme si y a parlé de yo mais normalement qui est moun qui pas connait en de yo qui pas connait biographie yo et bien et new video ça m'a porté à so c'est ça on va parler et par exemple qu'on est comme si que équipe jeune gagne des moun yo content de so yo ta aimé connait qui est yo yo ta aimé connait Eve yo ta aimé connait qui ça yo fait qui ça yo porté bot yo pas connait et les fini tout m'ba wè moun qui fait so c'est pour raison ça so m'porté vidéo ça yo pour nous mêmes. Et pour commencer, je vais prendre un artiste que je connais, qui a pile de monde qui connaît, et des gens qui ne connaissent pas tout, des jeunes qui connaissent déjà parler de lui, et comme ça, des jeunes tout qui ne connaissent pas qui est lié. Et bien, je prends tout le temps pour me choisir. Ça fait que je choisis. Normalement, je plus fait rap, je plus fait trap, vous comprenez? Et ça fait pour commencer, je suis obligé de prendre un artiste ça pour me mettre dans la programmation. Eh bien, artiste nous prenons pour une jeune c'est Master G. So, je pense que la vidéo la privée son équipe. Je connais tout grand paquet artistes, grand paquet rappeurs comme si qui par contre qui est ce que Master G, qui par contre Evely, qui par contre Tracy, qui par contre saleté fait en Haïti pour nous dans le domaine musical là. Et mais c'est comme ça et nous voilà bâti ça. N'a pas une pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Est-ce que tu connais? Ok, tout le monde, j'aime te annoncer la pré-pause là, m'te dit que m'dap tourné. Et normalement, bon nom Master G, c'est George Lys Ira. George Lys Ira. Il fait le 30 mai 1961. Et non artiste mission, encore une fois, c'est Master G. Il est le premier rappeur haïtien. Il était DJ tout. Il était un groupe qui relait Haïti Rap and Raga. Dans le groupe, ça m'a nous avons Sopadeno. Sopadeno lui-même. Qui là mais et qui pas trop bien parce que normalement carrière musicale monsieur mon dit il frère Master G au fait qu'on est Master G c'est premier rappeur haïtien et c'est premier MC tout qui t'a inventé hip hop créole yo dit Master G c'est papa rap là. Bon, je ne connais pas parce que normalement, quand je suis rap là, je suis plein papa, je ne connais pas. Et c'est quand l'autre rap, c'est cousin, cousine, rap créole, bon, même rap créole, je connais, c'est Master G qui papa. Première musique, monsieur, c'est une musique qui titre Vacances. La musique, ça a été fait en 1982. Et puis, dans quelques années encore, dans la fin des années 80, il sorti premier album qui relait Master G c'est à album ça et il fait non on a parlé de lui tout côté et c'est album ça tout qui était meilleur album rap créole de tous les temps nous t'a dit bien oui album ça qui c'est meilleur album de tous les temps bon pas connait et yo pas dit si gen l'autre album encore mais c'est album ça yo dit qui c'est meilleur album rap créole de tous les temps. Et avec l'album ça, Master G est sorti avec un artiste haïtien qui a un texte qui est plus profond et qui a plus de paroles.
So, c'est pas comme si même gens avec rap et kounyan yo moi comme si y a rap et texte yo pas gain fond, yo pas porté yon leçon de morale, yo pas porté rien. Bon, Master G lui même c'est pas ça qui t'a quitté pour rap créole. Il t'a quitté yon l'autre bagaille côté ou t'a kawe rap créole yon l'autre gens, yon l'autre façon. D'après ça on apprend tout et yo fait connait Master G té yon animateur radio. Il était dans radio Tropique FM et il était dans radio Métropole tout. Monsieur c'est un pionnier musique haïtienne là. Il créé un style de musique qui pas jamais existé auparavant. Grâce à Master G, jeune époque là, té vite adapté à style là. Yo té tellement adapté à style là et yo té vinn commencer un petit genre négligé rara racine comparé parce que yo té vinn et senti yo vinn non style nan époque là qui pas de jambe existé auparavant. Bon et nous comprendre les dit nous adapté. Master G té konn parler bien tout. C'est pour ça dans musique li yo li té konn toujours porter un conseil, li té toujours et éduquer jeune yo jeunesse là. Pour nous dire tout, à tout ça rap la pas jamais yon bon image vrai, mais Master G té toujours a créer une façon pour moun yo adapter yo avec. Li té konn chanter en anglais, français, créole. Musique li yo té arrivé prend place dans plusieurs radio. À cause il té konn chanter dans trois langues ça yo. Et qui cause l'itévin prend toute couche sociale yonet, ok? Mais c'était venu arriver un moment musique monsieur était tellement fait musique monsieur arrivé à passer dans radio en Afrique pendant 12 heures temps chaque jour. M'a besoin dit nous 12 heures temps chaque jour so, et monsieur fait belle hit belle exploit, vous comprenez? Et pour arriver là, Master G pas de jambe te camper, il pas de jambe te quitter bataille là parce que normalement il était bon côté, il voulait arriver. Nous comprendre? Et mi c'était venu sortir une musique qui était très populaire. En pile nan moun k'ap gade vidéo ça, te ka konnen, te ka kontande. Musique ça te titré Tan pou Tan. Tan pou Tan te prend premier prime nan yon koko haïtien africain te kon organisé chaque 27 avril pour arriver 7 mai. Nan année 1995. Et mais moun ki te industrie ki te kon organize concours ça c'était Disc Hibiscus ou même ki pa konn ki musique ki titre c'est Tan pou Tan nan men li c'est comme ça dans la vie c'est Tan pou Tan faut gen courage pou Tan c'est Tan pou Tan faut gen fiel pou Tan. C'est Tan pou Tan c'est Tan pou Tan. Monsieur son nèg qui était tellement de capacité, même vidéo c'est lui-même à 15 ans 1000 qui était qu'on mettait ensemble qui était fait. Il était même bon vidéo qui était prend un prime. C'est pas bagage jouette. J'ai quand quoi t'es décidé ba mission prix honneur et mérite pour grand travail qui était réalisé en tant que premier rappeur haïtien et en tant que nèg qui c'est papa et pap créole qui était venu et pap créole qui était inventé pap créole qui était pionnier. Et pour vidéo il était prend prime non. Li te fait yon paquet exploit vidéo ça te rive très loin tout nan Caraïbes là nan année 1985. Pas besoin di nou so mi se pap yon ti rapper comme ça et ça pral ba mi se force ak courage li pat jam lage el te toujours ap continuer bataille. Deuxième album monsieur qui te titré Politique Pam. Album ça te sorti nan année 1990 sous bannière Bois Patate Records. C'est Bois Patate Records qui te produit album ça et qui te la gueule sous nom. Ou même qui par contre qui musique qui politique pas nan men li. Passe une frappe dans dos. La Weed, Match La Weed. Match La Weed t'a pral réalisé avec participation groupe LIA qui c'est Haïti Rap and Raga. Et fois ça, li sorti sous éthique Delic Communication
in France. Bon, on va connaître comment ça m'rel marqué. OK, so monsieur c'est frapper la frapper, c'est hit la faire. C'est noir, c'est le tap voué monter, c'est hip hop curl, le tap voué monter, c'est pour ça le tap boumé. Li pas de jambe à vague toujours. Li te toujours à continuer goumé pour hip hop créole. Ok? Kote le pral sorti 4e album li, ak yon nouveau groupe. Album sa ki te titré Maximum Respect. Album sa te sorti sous bannière Crossover Records nan Floride. Depuis nous nan Floride, c'est pas Haïti, c'est États-Unis. Et c'est album ça tout et bien malheureusement et qui t'a pral dernier album Master G parce que il t'a pral nan pays sans chapeau. Après Master G fin mouri 21 mai 1994, Rap Forum t'a organisé et yon sommet Master G qui t'a fait 20 au 22 mai 2005 pour te ba yon dernier hommage et honneur et mérite pour grand rappeur ça et pour ça t'a fait parce que Master G te reconnaître comme papa fondateur hip hop créole non seulement en Haïti dans tout antio m'a besoin dit nous c'est pas seulement en Haïti non c'est dans tout antio Master G te plus gros MC haïtien te connaît parce que travail il fait pour qu'on gagne l'autre MC qui fait OK gagne l'autre MC qui travaille et yo travail mais nèg yo manke international parce que imaginez nous Master G était tellement travail il était tellement bon il était même arrivé à l'en France dans radio en France et il a lycée animateur dans radio en France là en Afrique il faut équipe l'obey il passé dans tout antio écrasé monsieur écrasé ça yo plate. Vous comprenez? Mais c'était même qu'on parlait de politique tout, mais c'était entré dans politique, il y a des points, mais c'était qu'on mettait sous quelque bagaille, il est pas content et si tout nous qu'attend de ça dans musique, monsieur. So, mais c'est pas loin qui bagaille ou qui bagaille. OK? C'est comme ça et nom ça relé Master G, c'est comme ça carrière t'est faite, c'est comme ça, mais c'était fébri. Et me garantis nous et samedi a gwe ki moun ki pat konn ki est ki Master G, m pense kounyan ya konnèl et m pense gen moun tout ki pral dèyè musique misyo, ki pral tande musique misyo, ki pral wè fon musique misyo. Parce que hip-hop créole c'est pas rap la même, c'est pas seulement comme si ou l'instrumental campé et puis lagué bla bla bla. Kounyan m wè gwe ki même si kap rap yo san fon, yo pa gen parole, yo pa gen conseil, yo pa gen rien. But Master G lui-même c'est pas qu'on salte rap là, c'est pas pour salter inventer rap là. OK, et j'aime dire nous moi konn gran pile moun qui pas konn Master G et moi pense avec vidéo ça n'a konn qui est-ce que Master G a. OK, parce que normalement monsieur créer hip hop créole, vous comprenez, il créer elle pour nous musique monsieur yo sin poko fèl sin poko al tande a chercher tande. OK, et puis l'instrumental monsieur yo li te gen on différent goût pa so catman li te gen tambour li gon mélange tambour li gon rock li gon mélange compa la dan ki différent konyan a Jean Negyo et a fè pap créole la pour moi même Jean la fête konyan la pour moi même ba rele ça pap créole parce que pas Master li pas semblé même a pas Master G a. Si n'ap tande pa Master G yo et pa konsa yo sonné, l'op gade pa Master G yo apre le gon tambour, li gon solo la dan, li gon guitare électrique, li gon bagay ki ma konnen la dan ki vraiment belle. OK? En gros et en large et tout moun, c'est ça qui Master G a. OK? Et m'pense que vidéo ça et m'pense que li te rive sou. OK? Mabzo, bon mon like et sou pou ko fè ça tout, abonné avec channelman parce que normalement m pral lagué en pile vidéo pou ou. J'aime te dire nan commencement sou artiste et haïtien yo pas seulement comme si ça fait musique et nan toute couche la net depuis comme si li populaire li ki ton trace li ki ton bagay que moun kounyan yo nan new génération ou pot ko konnen de yo. OK, bon mon like, abonné avec channel là ou ka ki ton comment pour moi tout et sou le travail la m'a fait à li bon et ou ka partager le moi tout. OK, so m'a dit tout moun bye bye, c'est ko ça me quitter nous. Et rendez-vous pour dimanche qui va venir. OK, c'était Mr Saint Beat Records. Ciao, bye bye tout le monde. Est-ce que tu connais?